Thank you.
Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, la vie éternelle,
Israël. Celui le Dieu grand. Celui le Dieu puissant. En dehors de lui, il n'y a point un autre Dieu. Le seul Dieu véritable, Jésus-Christ. Celui qui opère les prodiges. Celui qui garde ta vie. Celui qui t'a préservé jusqu'à ce moment. Celui qui a conduit tes pas de la maison jusqu'ici. Celui qui a enlevé tous les pièges sur ton chemin. Celui qui a comblé toutes les fosses sur ton chemin. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu terrible. Celui qui te donne les ailes d'aigle pour fuir loin de la face de ceux qui t'en veulent du mal. Celui qui te donne la victoire en toutes choses. Sois rassuré de Jésus-Christ. Ne te laisseras jamais, bien-aimé. On se monte le volume des micros. Jésus ne te laissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et il est véritable dans notre culte de Séraphim. C'est lui qui nous a donné la force encore de nous tenir au devant de vous. Amen. Même lorsque nous étions malades, il nous a relevés. Ce n'est pas parce qu'on avait calculé d'être ici aujourd'hui que nous le sommes, non. Mais c'est parce que Jésus-Christ nous a donné la force. Qu'on soit béni à jamais. Nous t'exhortons seulement de t'attacher aux choses éternelles. Venons de le chanter. Que le temps est plein de transitions. Et des temps, des transitions. Donc les circonstances changent à tout moment. Mais toi, tu vas saisir la main immuable de Dieu. La main qui ne bouge pas. La main qui est fidèle. Même quand les circonstances changent, mais la main reste toujours confiée. Si tu espères aux choses de la terre, tes amis aux gens de ce monde, tu seras déçu parce que les hommes sont versatiles. Et les choses de ce monde sont périssables. Mais la main immuable de Dieu, elle est éternelle. C'est ce que l'homme on a chanté dans notre cantique. Amen. Amen. Ah. Et je m'attache à toi, c'est toi le faute. Nothing, amen. Yolande, la main est faute. Parce que sur la poitrine du souverain sacrificateur, il y avait une faute où il y avait les 12 pierres précieuses. Et ces 12 pierres précieuses représentaient les 12 fils de Jacob. C'était des pierres précieuses. C'est la venue du peuple qui était là-bas dans les camps. Et d'ici à tes que toi tu pouvais mépriser à cause des faiblesses. Oh, à cause de la pauvreté. Mais sur la poitrine du souverain sacrificateur, elle est une pierre précieuse. Pierre précieuse à l'évaude.
profite d'être ce que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable. Nous allons nous lever pour faire la lecture de nos textes. Nous lisons tous nos textes au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Nous prenons le verset 34 au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Nous lisons le verset, nous prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons les derniers versets de ce chapitre-là. Et puis nous allons entrer au chapitre 13. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand les apôtres écrivaient ces lettres ici, ce n'était pas subdivisé en chapitres. C'est pourquoi je suis en train de lire comme ça. Et là, il veut leur montrer la voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante point. L'amour ne souffle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse ou pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé
homme, disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu de Dieu. Maintenant, ça c'est. Donc ces trois choses demeurent. Demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et qu'il ajoute aussi l'explication à toutes ces écritures. Amen. Déjà par la lecture, nous voyons comment l'enseignement est dur. Amen. Par la simple lecture, nous constatons comment l'enseignement est dur. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, nous n'avons pas un autre chemin. Seulement la parole que nous écoutons. Là où nous sommes faillibles, nous nous abandonnons au pied du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va nous donner la force de vivre toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi nous parlons sur les choses conformes à la sainte doctrine. Tu dois être heureux, bien-aimé. Parce que tu es dans un endroit où on te prêche des choses librement. On te prêche la vérité sans embâge. Parce que nous sommes une assemblée qui croit que le salut est dans la vérité. Le salut est dans la parole de Dieu. Le salut est dans les choses conformes à la sainte doctrine. C'est pourquoi nous prêchons sur l'amour. L'un des yeux de la foi. L'une des choses qui doivent se retrouver dans la foi des croyants. Afin que le royaume éternel nous soit pleinement accordé. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur Jésus nous soit favorable dans cet enseignement. Nous venons de lire le Seigneur lui-même. Il est en train de dire à ses disciples. Il leur laisse un commandement nouveau. Et c'est quoi ce commandement? Ils doivent s'aimer les uns les autres. Et il dit, c'est en cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si les croyants ont de l'amour les uns pour les autres. Ici on a dit, pour que l'on sache que nous, les croyants en Jésus-Christ, nous sommes vraiment ses disciples. Nous devons nous aimer entre nous. Il doit y avoir de l'amour fraternel. S'il n'y en a pas, nous ne sommes pas non plus les disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole du Maître lui-même. J'avais expliqué le mardi. Pourquoi le Seigneur nous laisse ce commandement? Parce que lui-même, il nous avait aimé, il avait accompli une œuvre à notre faveur. C'est pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. On s'était posé la question, comment le Seigneur nous a aimés? Et on a pu répondre à cette question dans Romains chapitre 5. Au verset 6.
jusqu'au verset 8. J'ai mis au nom de Jésus-Christ. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour nous. Christ est mort pour des impies. Batonade, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Dieu pour son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, nous étions encore des pécheurs. Le Seigneur n'avait pas regardé nos faiblesses. Le Seigneur n'avait pas regardé notre état de sans force. Mais il nous a aimés. Et sachant que, après son départ, ses disciples resteront. Il peut y avoir des problèmes. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Cela veut dire lorsque tu aimes ton frère, tu ne dois pas l'aimer parce qu'il est bon. Non, tu dis, moi j'aime beaucoup le frère Blanchard parce qu'il est gentil. Les autres frères là, moi, je m'approche même pas d'eux. Non, les le Seigneur nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs. L'amour de Dieu ne consiste pas à aimer seulement quelqu'un lorsqu'il est bon. C'est ce que Paul dit. À peine mourrait-on pour un juste. Un homme peut mourir, il accepte de mourir pour un homme de bien. Il a témoigné son amour, il est venu mourir pour les pécheurs. Maintenant, il a laissé un commandement aussi à ceux qui croient en lui. Les gens pour qui il a accompli cette œuvre. Les gens pour qui il a manifesté l'amour. Il leur a dit, aimez-vous les uns les autres. Afin que le monde sache chez moi que vous êtes mes disciples. Et aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Aujourd'hui, les problèmes dans les milieux chrétiens, on s'aime les uns les autres parce qu'on se trouve bon. J'aime le frère Samuel parce que le frère Samuel a un comportement d'un enfant éduqué. Il est éduqué, c'est pourquoi je l'aime bien. Et bien, les autres frères là se comportent comme s'ils viennent du village. Non, ce n'est pas ça, frère. Tu dois supporter les frères. C'est ça même l'amour fraternel. C'est ça même l'amour de Dieu. Parce que j'avais dit, c'est la dette que Dieu nous a laissée. Lorsque nous avions la dette du péché, le Seigneur est venu. Il a dit, venez en moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi je vous donnerai du repos. On est venu en lui. Il a pris notre fardeau. Il a pris nos péchés. Il ne te laisse pas comme ça. Le fardeau que toi tu lui as donné, ta dette à toi du péché. Le Seigneur l'a expié, il te les a remis. Mais lui, en retour, il te donne aussi
ne le fais pas. Parce que à chaque fois que le frère se répond, que je viens le répondre, si c'est répond, c'est fini. Oui, dépend de la terre.
ça l'essence. Comme on l'a traité là-bas.
pour qu'il sorte de la prison. Notre serviteur en vit ça. Nous sommes allés raconter là-bas à son maître. Il a dit, mais le serviteur que toi tu avais pardonné, quand tu avais remis la dette, il a acheté un des nôtres encore en prison là-bas et il est sorti seulement après lui avoir payé la dette. On l'a appelé méchant. Méchant serviteur. Ne voulait-il pas agir aussi à l'égard de ton ami comme moi j'ai agi à ton égard? Et on l'a jeté en prison. Jusqu'à ce qu'il puisse payer cette dette. Et Jésus exhorte à la fin, il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Sur le pardon.
dans ma meilleure David à son là où l'Éternel avait manifesté le pardon quand il frappait les gens. Et à qui pour l'un des gens, c'est cette montagne là qu'on avait bâti les temples. Les gens ont un moment dans les gens qui ont et c'est Dieu bâti sur le pardon, l'amour. Et ton ami, il voit la moline ici, bon niveau. Identifie cette église là. Et alors, on a les gens qui ont tali, ça y est, maman. Si vous vous aimez les uns les autres, ils sont qui m'ont volé dans la maman pour la souche. C'est comme on dit.
bonté. Et d'ailleurs on dit, qu'une humilité vous fasse voir que votre frère est au-dessus de vous.
suis la prédicateur. Je dis la parole mon thé. Et je dis que l'apôtre Eric prêche plus que moi. Mais le bien te donne à Eric alors t'es abonné à la gueule. L'apôtre Eric aussi à son tour dit que le frère Jonas prêche plus que moi. Donc on te dit que l'on va aller pas voir tes négos. Jonas alors t'es abonné à la l'œuvre de Dieu. À ça là comme ça là non mais mal là. Je vous dis frère. Mais c'est ma mère. On ne sera en aucun jour dans l'église. Ouais c'est la mort pour le tout à qui je n'ai mis tout le bas à la tête. C'est différent.
Je sais que dans ton cœur, tu as des gens qui tu emprisonnes.
monté pendant la bateau sur tchana. Maintenant tu pries. Quand on au sang, il fait un effort et still un nom. Ça va m'a caché ton temps à commencer. Quand tu pries Dieu, tu te caches devant qui? On va s'en mettre là, on va parler de ça. Tu te caches devant qui? Dans les temps, on va parler de ça. Tu vois vraiment que Satan te fait revenir, voilà. Tu parles pas avec cette soeur. Toi, tu te connais. On va rentrer des temps pour la nôtre qui s'en est. On va casser, casser la caillou. Il faut citer les noms. Tu cites ta parole, tu cites ta parole, tu comptes ta niveau. C'est comme ça que l'on commence. Bon, on est là. Tu cites vraiment les noms. Oviani, comme y'a un dégoût. Tu dis, Seigneur, pardonne à mon frère. Obéte, Kolo, les copains, le ministre de la force. Pessaye, ma casse. J'ai appris qu'il est en train de me calomnier. Ma épicine, j'ai un autre monde. Il est en train de parler en mal. Alors, il y a un homme à paix. C'était vrai aussi. Mais les soins, la soie, il a dit bon, on va le faire. Je demande pardon pour lui. Bon, on a Seigneur, lui, Pessaye. Mais je demande que tu puisses aussi lui faire grâce comme tu as fait à moi. Bon, on a Seigneur, c'est le nom de le Seigneur, il a lui. Amen. Comme les gens, j'avais lu quelque part, on a écrit. Donc, on a pas trouvé, on a demandé qu'il y ait un homme à paix. Lorsque tu vas terminer de parler en mal de moi, prie pour moi. C'est très bon conseil. Et souvent, c'est un très bon conseil. Quand tu vas finir de parler à mal, force l'énergie que tu as déployée. Alors, déploie-le aussi pour prier pour moi. Ça la paix à mon point à consacrer la question. Je deviens comme toi qui es sans péché. On a comme un moment à l'autre. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et maintenant, on a la vie à la beauté. Retournons d'abord en arrière. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Donc, on a aussi. Maintenant, on a parlé les mal les uns des autres. On a bien la mabé. Ils sont des ennemis. Bon, on est des gens qui dorment dans un même lit. Alors, on a fait ton moco. Mais ils ne se parlent pas. Parce qu'on nous l'a raté. Vous n'allez plus toucher le micro de l'église. Amen. Amen. Vous n'allez plus toucher le micro de l'église. Amen. Vous n'allez plus toucher le micro de l'église. Amen. Vous via l'intercession, vous ne toucherez plus rien. Donc, on a dit, 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 tu vas prier pourquoi toi tu n'aimes pas les gens. Donc, on sait que le même million, il n'y a pas de prier. Tu vas prier pour ton propre cœur. Ça va bien la parole au thème. Oui, heureux celui qui a le cœur pur. Alors, bien, c'est moi, là, on a dit, pour citer aussi un autre problème. Bon, on a reçu du Saint-Orgueil. Moi, mon frère Jonas. Moi, il est mon Jonas. Je ne suis pas bon pour toi, frère. Non, non, là, mon tête, on a dit. Non, non. Pas bon, on je ne suis pas bon pour toi. N'a coupé pas bon, on non plus l'apôtre Eric. Donc, tu peux vous quitter ton pays. Non plus le docteur Peter. On peut vous l'anticiper. Le pasteur Samuel. Oui, le pasteur Samuel. T'en peux vous dire. Que personne ne détraîne derrière lui. On te montre pas bien, d'ailleurs, si m'en a été. Moi aussi je suis en train de courir pour mon propre salut. Mais alors pour taper moi dans le bible là toi tu es en train de courir pour ton salut, tu es en train de me suivre. Yo, moi, mon crime, mon bible, mon crime, mon crime, n'est pas aussi ma taille. Peut-être moi j'ai des aspirations qui sont charnelles. Mais aussi ma personne à la mon j'essaie de vous tirer de mon côté comme ça pour que vous soyez mes proies. Alors vous me suivez aussi. Moi comme prédicateur, je ne vais jamais t'empêcher de haïr l'autre. Jamais. Faire la conquête des gens. Jamais. Diriger les gens. Kokamala. Hein? Tu suis venu derrière. C'est pesant pour nous. Je peux aussi commettre les mal. Alors, à
alors j'ai droit à ce qu'on puisse me répondre. Na Seigneur, il va pas me la mal. Ne suivez aucun prédicateur vrai. On a un tableau qui m'a monté les gens. Les gens qui avaient des divisions dans les églises. Et tout bateau, si on avait quelqu'un, la fois passée, on avait quelqu'un dans les églises où on venait. Yeah.